Shalom Aleichem, on est dans le Kitsur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Kaf. C'est Srita Bishar Dvarim, de presser dans une sorte d'aliment. Il dit le Rav Moutar la tête de Shabbat en Avim le Toch Chavit Yain, Kedeshi Batkeru, Mealehem, Yotsiu Yain, Yenam, Veaf Alpi Shiesh Osrim, Bazé le Chatrila, Aïka le Ken, le Halacha, le Atir, Afilu le Chatrila. Nous dit le Rav, c'est moutard de mettre Shabbat des raisins dans un tonneau de vin. Disons, quand tu verses, quand tu jettes ces raisins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'éclater. Ils vont s'éclater. Le jus, il va se verser dans ce tonneau de vin. Et Chora, qui c'est qui a causé? C'est toi qui t'as causé. Nous dit le Rav, même qu'il y en a qui sont au srim, quand même c'est moutard de faire ça a priori. Ça veut dire que tu peux prendre Shabbat tes raisins et les jeter dedans. Chavit, shepakaka, bepkak, shepishtan, kedistom, nekem, shepedofen et chavit. Avant c'était plus fréquent, aujourd'hui c'est moins fréquent, mais il y en a des choses comme ça, comme par exemple, quelqu'un qui a de tonneaux de vin, il y en a qui font chez eux à la maison le vin. Il faut savoir d'après Avadia Yosef Zatzal, que Maran Ashukhan Aour, que c'est mieux et c'est conseillé de faire le vin chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le vin. En France, peut-être il y a moins de problèmes parce que c'est 100% de vin, ils sont très makpidim dans le vin. Mais ici en Israël, ils mettent beaucoup d'eau. Alors, je ne sais pas que je fais publicité, je ne fais pas des publicités. Mais avant, Kamer Mizrahi, c'était, même maintenant c'est une bonne Ashgara, maintenant ils ont changé l'Ashgara, il paraît, je ne sais pas, il faut bien regarder l'Ashgara, quelle Ashgara de vin que c'est. Parce que si maintenant il y a une bonne Ashgara, il faut très attention de Yain Nesser. Moi, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille dans un, je ne vais pas dire maintenant quel endroit il travaille, que il y a une ashgaha, il y a une ashgaha dans cette vigne où on travaille le vin, et j'ai parlé avec lui comment tu travailles, parce que comme lui, il est chômeur Shabbat, et il donne un tampon comme il faut. Je lui ai dit, comment tu travailles, comment tu fais? Il m'explique, voilà, il y a quelqu'un comme lui qui est celui qui goûte le vin, il est Mechalel Shabbat. Alors, cela, il y en a qui font très attention à cela, qu'ils ne boivent pas du vin que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il a touché le vin. C'est ça la halakha. C'est ça la halakha. Alors, il respecte la halakha comme il est. Mais non, c'est à choisir. Non, toi, quand tu vends du vin, et tu donnes une bonne ashgaha, tu es censé de faire très attention à qu'est-ce que tu vends. Afin, si maintenant il doit un bagbouk, maintenant il y a un autre problème, même que c'est batel. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. De rentrer dans les détails, maintenant, comment ça marche et tout cela, c'est un shiur bifnei atzmo. Moi, je vous donne en premier, rien que l'histoire, sur un pied. Alors, quand je lui dis, comment tu fais? Il me dit, je fais ça. J'ai dit, il y a un problème. Il me dit, comment il y a un problème? Je lui ai expliqué. J'ai ouvert Shulchan Aruch. Je lui ai fait montrer la halakha. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment? Que ce n'est pas correct comment il se comporte. C'est quelqu'un qui travaille sur place. Voilà la Ashgaha. Ils savent pas, la Ashgaha, elle est là-bas. Mais tu sais, quand on fait la Ashgaha, on peut faire devant et on peut faire à côté de la Ashgaha. C'est-à-dire que le Rav, il est là-bas, celui-là qui est là, dans l'Ashgaha, et ils sont de côté. Il faut pas, ils ont même pas fait attention. On dit même dans la Haredit. Il faut faire attention. Quand, bien sûr, il y a un homme qui dit pas Yireh Shamaim. S'il n'y a pas Yireh Shamaim, comme il a dit Abraham, Avinu Alav Shalom, il mène Yireh Hashem, Bemakom, Kimat Araguni, ils peuvent tuer Abraham Avinu. C'est déjà Abraham Avinu. De partout, quand il y a l'argent, qu'elle bouge. Il y a quelqu'un qui me raconte une histoire. Eh bien, il me dit, Vodara, il y a un problème. Je dis, quel problème? Il me dit, voilà, je travaille dans un bet ma'afé. Vous êtes bet ma'afé, une conditure, okay? Il fait là-bas des croissants. J'ai dit, c'est bon alors? Il me dit, oui, mais le problème, il est quand ils font les croissants au beurre. Alors, ils mettent le beurre sur la plaque. Hein? Et ils mettent là-bas de la pâte. Ok? Du croissant, il y a du beurre. Quand ils ont fini les croissants au beurre, maintenant ils font les croissants
parvée. Et quand ils font les croissants parvés, okay, ils les vendent en tant que parvés. Et les gens qu'ils achètent la veille de Shabbat, vendredi, ils sont censés apprendre des croissants parvés pour Shabbat. D'après pour Shabbat, mais tout de même pour tous les jours, il y avait un problème. Badaï. Le bonhomme, lui, il est censé de prendre parvé. Il veut manger après son manger, que lui qu'il a fait son repas de Shabbat. Il veut prendre un petit croissant et il est censé être parvé. En fin de compte, c'est pas parvé, c'est halavi. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Il me dit, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pas besoin de te dire, tu comprends toi-même qu'est-ce que tu dois faire. Il y a la Hashgacha là-bas, tu lui expliques à la Hashgacha, qu'est-ce qui se passe? Toi, maintenant, tu tiens là-bas sur place. Tu fais le, tu prends le, tu fais le nécessaire, c'est dommage. Les gens maintenant, ils sont censés de manger parvé. En fin de compte, ils mangent du beurre. Et voilà l'Ashgara. L'Ashgara, elle est là? Où elle est? Elle est censée être là. Un homme, un grand rab, que c'est lui qui donne l'Ashgara. Lui, il rentre c'est lui qui donne l'Ashgara. Comme on le connaît bien. Je ne vais pas dire son nom, on le connaît très bien. Et lui, okay, il est parti à Shabbat Hatan. Shabbat Hatan. Et Shabbat Hatan, comme il y en a chez les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent une salle. Et des fois, c'est dans l'hôtel, la salle de l'hôtel. Alors, il y a la cuisine. On lui dit, avant la veille de Shabbat, on lui dit, viens faire un tour dans la cuisine. Il dit, écoute, j'ai pas le temps, moi, je suis ici autant que horaire. Horaire, c'est-à-dire invité. Je suis invité. Puisque je suis invité ici, j'ai pas, maintenant je ne vais pas rentrer dans la cuisine aussi, même que c'est mon travail, d'accord, mais je ne vais pas. Il dit non, viens, viens faire un petit tour, viens, on fait un petit tour, toi et moi. Ils sont partis. Alors la veille de Shabbat, il y avait, juste avant Knissat Shabbat, il y avait une petite marmite de Hatsilim. Hatsilim, c'est Aubergine. des aubergines. Petite. C'était la veille de Knissat Shabbat, c'est-à-dire de la Katneroth, ils ont prié, parce qu'ils priaient, ils ont fait Arvit sur place. Le lendemain matin, il trouve une grosse marmite comme ça de 42, ça s'appelle Arba'im Shtayim, d'aubergine. Il dit, comment c'est arrivé? Ils ont cuit Shabbat. Les Arabes, ils étaient là-bas, le chef qui était arabe, il a cuit Shabbat. Ça veut dire que ceux-là qui étaient là-bas, ils ont mangé, presque ils ont mangé Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il y a des caméras de partout. Alors on voit combien ils font rentrer, ils font des magouilles. Comment on peut faire? Tu prends une très bonne Hashgara. Une fois, il y a quelqu'un, je me rappelle, que lui, il a fait un mariage. Et c'était une très bonne Hashgara. Très, très bonne Hashgara. Et ils ont voulu faire cadeau Khatan. Pourquoi ils ont fait la Hashgara? Ils ont emmené une bonne Hashgara. Parce que parmi de la famille, c'est des gens qui sont religieux, très très religieux. Alors ils sont venus à la roupa, ils s'assoient. Alors ils croyaient qu'ils restaient pour tout le repas. Mais comme il n'y a pas de méritsa, alors ils ne restent pas. Ils se mettent de côté, dehors. Okay? Parce qu'ils n'ont pas le droit, d'après la halakha, d'être dans une salle que c'est mix, qui danse mix. Alors ils sont sortis dehors, ils attendent. Ils ont fait le kavod comme il faut. Et tout d'un coup, ils entendent de la musique orientale. C'est bien, c'est beau la musique orientale. Pourquoi non? Ils ont des danseuses. Le Hatan, il était comme ça, il regardait, c'est Haftaz, c'est une surprise. Le Mashgiach, il était là-bas, que lui, il était très, très religieux. Il a dit, écoutez, si vous n'arrêtez pas tout de suite, j'enlève l'Ashgara. C'est sûr, c'est comme ça, c'est une très bonne Ashgara. Ça marche pas avec. Ils ont arrêté tout de suite. זה שייך אחד לשני. מה זה שייך אחד לשני? ההשגחה זה בתוך המטבח, לא? L'Ashgara de Torah Midbar, mais comme lui était là-bas, il est censé maintenant de respecter, ils sont censés de respecter l'Ashgara, tout ce qui se passe autour aussi. Donc, on ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Mais pour vous dire, un homme qui prend une très bonne Ashgara, plus ou moins, je ne dis pas, c'est tout, il y a toujours des surprises. Toujours des surprises. On ne sait rien. Des fois, le Mashgiach, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Mashgiach? Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Il prend même le Mashgiach. Et si lui, il est naïf, ce Mashgiach, on lui dit, tiens, va vérifier du riz. Alors, on lui donne un sac de riz.
Il va de côté, il commence à vérifier le riz, et on est derrière son dos, on fait rentrer des choses qui ne sont pas correctes. Combien de magouilles, combien de magouilles. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour cela, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a des rabbanis. Voilà, tu as vu qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Regarde, il y en a des rabbinis qui disent comme ça. Baruch Hashem Mazal Tov, mon fils, tu t'es marié. Tu te maries. Alors là, il y a le mashgiach de la salle. Mais qui te dit, peut-être lui, il reçoit un peu de côté. Alors le rabbi dit, moi, j'envoie encore un autre mashgiach. Que lui, depuis le matin, il est là-bas. Il cachérise tout. Il fait montrer maintenant la viande qu'elle rentre. Il voit avec le tampon, deux tampons, pas un tampon. Il est censé à bien vérifier tout. Il est payé pour cela. Le bonhomme, au moins, quand il n'y a pas de magouille. Il n'y a presque pas de magouille. Presque. Combien de fois on voit, moi, des fois, je rentre dans les cuisines, je vois comme ça, vous voyez le mashgiach, je regarde le mashgiach, je dis, qu'est-ce que tu penses? Tu aurais mangé ce manger, toi? Oui. Il me dit, pas pour toi, c'est pas pour toi. Je lui dis, c'est pas pour toi. Je dis, Chaval, et Am Israël, les pauvres, ils mangent. Alors, Haïm Akadosh, il dit, une fois on lui a dit, Kmodara, il y a une famille qu'on veut qu'ils font tchouva. Ils sont un peu loin de la Torah. Il a dit, je vous demande une chose. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent kasher? Ils font attention, qu'est-ce qu'ils mangent, ils mettent dans la bouche? Non, j'arrive pas. Je pourrais pas. Il dit, pourquoi, Kodara? Mais c'est des juifs, comme toi. Non, c'est pas que c'est des juifs. Moi, je veux me donner Coréa pour les juifs. Mais ça va rien rentrer. La tête, Barminan, elle est bouchée. Comment c'est possible? Tu manges quelque chose qui est interdit? Barminan, la bouche. Elle est bouchée. La tête, elle est bouchée. Tu comprends pas. C'est pas que tu rêves, tu comprends pas la Torah. Tu acceptes pas. Après, tu te révoltes quand le rêve va dire quelque chose que ça. C'est pas bien ta tête. Quand tu comprends différemment, tu remets en question, etc., etc., etc. Comme c'est écrit dans la Torah, Timtoum Alev. Timtoum Alev, ça veut dire, Timtoum en français, c'est le tamtem, un imbécile. Dans son cœur, il devient imbécile. Il devient bouché. À cause du manger, regardez, c'est à cause du manger. Un homme, il se dit, c'est bon, mais c'est bon, regarde, c'est bon, il mange. Il faut faire très attention, c'est mieux de, comme il dit, c'est mieux de moins manger que de beaucoup manger que tu ne sais pas qu'est-ce que tu mets dans la bouche. Comme quelque chose, c'est pareil de la viande, il y en a qui font attention avec la viande, c'est pareil avec la viande. Si ces fruits maintenant, ils sont, ou ces fruits ou ces légumes, ils sont mis au sarim. Ils ont fait Maaser. C'est maintenant Nakim et Tolaïm. Nous, on n'est pas, on est juifs, nous. C'est pas simple, on est Bnei Melachim. On est des fils de roi. Fils de roi, il ne va pas manger n'importe quoi. Un fils de roi, il va manger comme il faut, comme qu'est-ce qu'il faut aussi. Tu ne vas pas manger aussi des vers. Hein, il vient, on lui donne ça, il rince dans le. Hein, et... C'est bon. Il fait rentrer, il dit, ah, qu'est-ce que tu fais manger aux autres? Je suis rentré dans une cuisine une fois. La famille avait des fenouilles. Il passe dans l'eau comme ça. Je dis, viens, je te fais montrer qu'est-ce qu'il y a dans la fenouille. Là, je te fais montrer. J'ai ouvert la fenouille. J'ai ouvert les feuilles de la fenouille, dedans. Il y a des bêtes. S'il y a trois bêtes, tu prends la fenouille, tu la jettes. Bon, maintenant, il faut savoir comment laver, quoi chercher, où chercher. C'est tout. C'est comme il a dit le rabbin. Quoi chercher, où chercher. C'est tout. Tu sais quoi chercher, tu sais où chercher, tu as gagné. Bon, maintenant, on revient chez nous. Il nous dit le rab, Ravid, Shebekaka, Bebkak, Shepishtan, Kedistom, Nekem, Shebedofen, Ravid. Maintenant, une habit, ça veut dire. Habit, c'est un tonneau de vin, par exemple, qu'ils bouchaient. Avant, c'était plus fréquent qu'ils bouchaient, par exemple, avec une matelite. Matelite, c'est un torchon. Il y a un problème quand tu es sauté, quand tu bouches avec le torchon. Il nous dit le rab, « Mon motseim d'eich nekevze et ayayin mea habit. » Et dans ce trou-là, maintenant, le yain, le vin, il sort de là-bas.
Yesh mi shematir af al pi shei efshar shelo yischot. Non, quand tu vas enlever le torchon là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de vin autour du torchon. Qu'est-ce qui se passe? Tu presses ce torchon de vin. Il y en a qui disent que c'est moutard quand même. Au bitnai, chez le yek litartav. Quand même, fais très attention qu'il n'y a pas un récipient sous ce torchon-là. Ça veut dire, quand tu vas sortir le torchon, qu'est-ce qui va se passer? Tu presses, tu essores ce torchon. Et si maintenant, ça va presser dans ce récipient, ça veut dire que tu veux ce vin-là. Ça s'appelle Mefarek, Sokret, Venichale. Tu veux maintenant ce vin-là. Et Kevan, il nous dit maintenant, puisque tu n'as pas maintenant l'ustensile sous ce torchon-là où il y a le tonneau. Et Kevan, Shenon et Ena Besritazo, puisque maintenant tu ne tiens pas profit le fait que maintenant qu'il va s'essorer, et bien Psychreche de l'Onichale Vezemuta, ça s'appelle Psychreche. Que c'est l'onichale que tu ne veux pas de cela. Et c'est moutard. Vechalku ala veamru. Et il y en a qu'ils ont été holek. Okay? C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont dit que c'est. Je sais pas, on n'est pas d'accord avec toi. De afalgab. De l'onichale. De ve de psychreche. Ken veze asur. Même que tu ne veux pas de ce vin là maintenant qu'il est tombé. Par terre. Les hiboud. Quand même, ça s'appelle psychrèche, c'est vadaï, c'est sûr que ça va, c'est sauré, ce vin-là, même que ça va l'aïbout. Alors il nous dit, c'est assou. Il nous dit le rab, ve'aolam, noagim, heter badava, ve'yeshelamen alem, schout. Il dit le monde, quand même, ils permettent cela. Ils disent que ça va, moi je ne veux pas de ce vin-là, il était nisrat, il était sauré. Il nous dit le rab, yesh lahem, yesh lalamed alehem zchut, et kevan shaberez aroch, chutz laneoret, ven ayad magat et neoret shebuta. Comme par exemple, quelqu'un que lui qui a une éponge. Si c'est une éponge, c'est pas dès que assour d'utiliser l'éponge Shabbat. Vous savez, l'éponge, c'est assour d'utiliser. Mais si c'est une éponge avec une manche, Yadit, une manche, et tu fais comme ça, okay, comme une sorte de raclette, alors mouta. Mais aussi, c'est bien de ne pas utiliser cette éponge avec la manche. Et là, comme aujourd'hui, bon, Hachem, ce n'est pas ça qui manque. Aujourd'hui, il y a des raclettes que ça fait passer l'eau. Tu sais, tu prends l'eau, par exemple, de la planche de travail. Le petit magavim. En français, comment on dit magavim? La raclette. Alors, avec la raclette, aujourd'hui, il n'y a aucun problème si tu lances cette raclette. Même si maintenant, c'est tombé par terre. Par exemple, ça va, comment on fait sponge à Shabbat? On ne fait pas sponge à Shabbat. Sponge, ça veut dire que de laver le parquet. Mais commis. Les coups de type. D'accord. Avec le magavim, celui-là, il appelle. Par exemple, un enfant, il a sali par terre. Des fois, si maintenant ça tombe par exemple juste déjà par terre, qu'est-ce qui se passe? Tout le parterre, c'est tu marches avec elle, tu te colles. D'accord? Comment tu fais Tu ramasses Manuel, comment tu le fais? Vin où c'est, là où il y a la tache. Ouais. Tu verses un peu d'eau avec un peu de produit bamakomazé. Ouais. Attends, le carré ma gaffe va faire. Il fait mieux. Alors je vais répéter qu'est-ce qu'il dit, Raouven. C'est-à-dire, tu prends la raclette, par exemple, le goumi. Goumi, c'est là, la raclette. La raclette. Top. La petite raclette, pas le gros balai. Tu peux prendre même le grand raclette. Un comme problème. Même la grande raclette. Nous, les séparés, on est maquillés. Puisque maintenant, tu es à la manche, un comme problème. Tu prends la grande ou la petite raclette. Tu prends ta pelle. Alors, tu ramasses en premier le jus. Après que tu as ramassé le jus, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un morceau. Tu mets un peu de savon. Ok? Pourquoi? Sinon, ça va être béquille. Sinon, ça va se coller. Ah, okay. Là, on est au niveau que ça sent bon. Non, c'est un alakha, tu n'as pas besoin. Si tu veux de ne pas mettre du savon, il n'y a aucun problème. Ah, tu mets du savon pas dans la capache pas. Non. Dans l'endroit. Ouais, un peu de savon. Okay. Tu nettoies un tout petit peu avec pas avec une éponge. Avec, des fois avec le balai.
Hein? Ou par exemple, il y a des petites raclettes aujourd'hui. Hein? Ça se vend avec. Il y en a qui frottent avec les ustensiles de Shabbat. Ou aujourd'hui, il y a des sortes d'éponges, mais ce n'est pas éponge, ça absorbe pas. C'est fait exprès pour Shabbat. Ou... Mais dans Hashem, ça, c'est un chiou bifnéatzmo. Top. Il prend avec cela, avec cette raclette-là, le savon. Okay? Après, il peut, s'il y a un tout petit peu humide, un tout petit peu humide, c'est pas plein, c'est humide. Alors avec un chiffon qui est sec, il peut nettoyer. Après passer là. Et pour nous, les séfarades, il n'y a aucun problème. Ainsi aussi, pareil, tu peux faire avec cela. Ça veut dire, puisque maintenant c'est une sorte de, c'est une sorte de manche, de manche comme ça, avec au bout c'est du tissu. Et puisque maintenant, je ne sais pas que tu prends toi le tissu avec ta main, et là c'est avec là, une sorte de manche, tu mets ce tissu, tu bloques la sortie de vin. Il me dit, le Rav, il n'y a aucun problème. Vérifie, j'ai un ta'ana, zo, chazaka, vech, les gam, gemba. Rétov, la nigam, shelo, yé, keli, tahat, achabit, bishash, shepo, kikim, et tamek. C'est pour cela, puisque ce n'est pas évident, il nous dit le Rav, c'est conseillé même de ne pas mettre un keli, c'est-à-dire un récipient, en bas pour que sous le tonneau pour que le vin il va tomber dans le tonneau parce qu'il nous dit le rab c'est pas évident maintenant il y a une autre halakha que cette halakha là maintenant elle est plus fréquente et c'est tous les Shabbats presque c'est presque partout et il faut savoir comment oui se comporter avec cette halakha il y en a qui font même pas attention à cela il nous dit le rab moutar les kaner be Shabbat. Il nous dit le Rav, c'est moutard quand même de essuyer gentiment benahat beshabbat shabbat le bébé par exemple il a fait ses besoins, on veut bien l'essuyer. Quand c'est mim hatalacha avec des langettes. Mais par contre, c'est conseillé que, et il faut, la veille de Shabbat, excusez-moi, il faut, la veille de Shabbat, que séparer ces langettes un de l'autre. Okay? C'est pas qu'il y en a des langettes. Il y en a des langettes. Regarde bien, Yosef, tu poses une question, Nahon. Il y a des langettes qui sont collées un à l'autre. Puisqu'ils sont collés, tu n'as pas le droit maintenant. C'est comme le papier toilette, tu n'as pas le droit de déchirer Shabbat. Pourquoi? C'est Borel? Mais t'as quel? Attends, t'as quel? Ils sont collés, ils sont pas. Et tu Non, déchires non, pas, non, mais non, ça non, pas monte. collé, collé comme ça. Pas comme ça. Ils sont collés un à l'autre. Non, c'est une cloche, en général, c'est une dans le. C'est Je comme le dis, papier toilette de Shabbat. il y en a qui sont collés comme papier toilette. Ah, d'accord, ça se Dan. déchire. Oui. Avec les pointillés. Ouais. Voilà. Alors, par exemple, il y a des fois, c'est un bloc comme ça, hein, et un trou en haut, et tu tires, tac, un par un, et ça, et maintenant, ils sont collés comme un papier toilette. Alors, à chaque fois, il faut que tu coupes. Ça, c'est un saut Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les préparer la veille de Shabbat. Tu prends un paquet, tu tires au moins une trentaine, tu le prends, tu mets dans un sachet en plastique. Maintenant, plus que cela, après, tu veux mettre dans un sachet en plastique, il faut, et c'est conseillé de faire ainsi, en premier, de le dessorer. Dessorer. Qu'est-ce qui va rester dedans? Il va rester un peu. Ça va être humide un peu. Alors, au lieu que tu vas utiliser maintenant, Shabbat, une, deux langettes, tu vas utiliser peut-être cinq. Mais quand même, tu ne vas pas faire un issou. Seulement si maintenant, okay, ça dépend, il y a des langettes qui sont faites en bad. Bad, ça veut dire du tissu. Qu'est-ce qu'il y a une cabane? Du bad? Il a raison. Parce que c'est les langettes qu'on a, les guises et tout ça, ils sont. On n'est pas dans ces pas du bad. Tu as raison, raison, Emmanuel. C'est une bonne question que tu parles. Facile de dire des mots, mais. Non. Tachlès. Il a raison. Je vais pas te dire. Tu vois, dans ton on va lire la halakha. Après, tu vas voir qu'est-ce qu'il te dit là. Qu'est-ce qu'il pose la question? On va comprendre. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel? Il pose la question. Il y a des sortes de langettes. Qu'est-ce que ça veut dire bad? Est-ce que bad sitenti, ça s'appelle bad Synthétique. ou synthétique? Synthétique. C'est du bad, c'est du tissu ou non? Et des langettes qui se font, ils sont Ils sont faits à base. ils sont faits à la base de
tissu, pas synthétique. Ah. Ça, c'est bataille, c'est un sou. On n'a pas ça, on n'a pas dans le marché. D'accord. C'est quoi, c'est du tsemer, c'est du... Alors, si c'est tsemer, stampeged. Stampeged de la Torah, c'est tsemer. Comment le rabbi peut parler de ça? Il sait que c'est pas la Inyan. L'or qui parle, mais il se marque tout. À mon avis, il parle de ces magabonim, qui sont guises et tout ça, qui sont faits à base de tissus synthétiques. Il parle de ça. C'est pas possible qu'il parle d'un bad. Ouais. Il y a pas. Top. C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu dis? Alors, Stama, le rab, quand il dit bad, il n'est pas été mechalek. Il faisait un semi-bay, même que c'est un synthétique. Il y en a qui ont voulu être mechalek. Mais le rab, pour l'instant. Alors maintenant, la halakha, il nous dit, bon, en premier, il n'y a pas de hilou pour l'instant. Bad, si c'est fait en tissu, même synthétique, quand même, c'est. Il va nous dire le rab. On va lire la halakha du commencement jusqu'à la fin. On verra. Alors, en premier, qu'est-ce qu'il faut faire en premier après avec ces lingettes-là? Il faut les prendre et les essorer. Mais si tu les essors, c'est tu les essors et tu les remets après. Pas tu les sors, tu enlèves tout. Mais même comment... si on les sort du sachet, on les dehors, ils sont secs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sortir, les séparer? Qu'est-ce que j'ai dit, Robin? Tu les essors, tu les mets dans un sachet. Mais nous, on a fait l'expérience. Ils n'ont pas assez de jus pour que ça s'essore. Mm-hmm. Il dit qu'il n'y a pas assez de main bifnim. Ouais. Je la guide chez Srita. Si. Non? Attends, là, là. Si, qu'est-ce que j'ai dit pour que tu me dis, Myrilla, Robin? Je n'ai pas entendu la suite. Ah, je sais, tu ne peux pas laisser parler. Alors, maintenant, non, je ne sais pas si votre si c'était si c'est comme ça ou si oui c'est vrai. Robin, si, quand toi tu fais l'expérience, si maintenant quand tu prends une lingette. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, alors ça va, il n'y a aucun problème, c'est pas ça le problème. Vas-y, la sortir. Non, je ne sais pas. Moi je connais des lingettes. Moi aussi j'avais des enfants quand c'était petit, non? Nous aussi on commençait à. C'était plus large avant. Avant, il y a un grand débit, ils ont besoin de faire des économies, mais moins de produits. Alors, s'ils n'ont pas de produits, presque il n'y a pas de produits, alors il n'y a qu'un problème. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, regarde. Tu vois, Emmanuel, il vient voir. Pour vraiment vouloir faire ça, là, on ne fait pas ça avec le bébé. On le caresse, on n'est pas des sauvages. Non, mais c'est important, Rav. Qui va venir à faire comme ça sur son bébé? Tiens, sors l'eau, sors. C'est pas comme ça. Non, mais tu veux quand même qu'il sorte. Tu veux qu'il sorte parce que quand il est liquide, Ruben. Quand il est liquide, Rouven, qu'est-ce qui se passe? T'as chômé Adassov? Quand il est liquide, la lingette, quand il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de l'alcool là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Tu veux quoi? Tu veux nihalé, tu veux qu'il sorte. Pourquoi? Qu'il nettoie bien le petit. Alors je vais vous dire quelque chose. Non, on finit l'alaha. On finit l'alaha, vous verrez. On l'a fini. Non, on l'a pas fini. Quand on prend une serviette qui est mouillée, okay, même si tu n'appuies pas dessus, ouais, c'est quand même mouillé. Tu n'as pas besoin d'appuyer fort pour que ça sorte. C'est mouillé. D'accord. Mais là, le produit, il est là. Même si tu n'appuies pas, il est là. D'accord. C'est comme tu dis, il y a deux. Et c'est pour cela, ici, il y a un coup là. De la lumière, déjà. Et il va venir, il va allumer la lumière. Toi, tu pouvais déjà voir. C'est pour cela, il y a un coup là, ici. Ah, tu as raison, qu'est-ce que tu dis? La coula ici, maintenant, que si maintenant tu ne frottes pas fort, ça sera moutard. Tu comprends? Alors maintenant, on va redire la halakha du commencement jusqu'à la fin sans s'arrêter, Rouven. C'est-à-dire? On a essayé de comprendre un peu. Ça me rend fou, Rouven. On a dit le rab, c'est moutard. Les canéas, les shabbat, c'est moutard d'essuyer gentiment le bébé shabbat qu'il a fait les besoins avec. Umimhata laha. Umimhata, c'est les lingettes qui sont immunes. Ou bilvad, il faut que tu sors les lingettes un de l'autre quand on parle qu'ils sont attachés un à l'autre. Ou le khatrila yishtamesh, umimhatot lahodem sot betrila takoubsa. A priori, il faut que tu utilises les lingettes qui se trouvent au début de la boîte. Pourquoi? Parce que là-bas au début, même que tu fermes bien comme il faut, il y en a qui ferment bien, ils font très attention que c'est bien fermé, même que tu fermes bien comme il faut, les premiers lingettes, ils sont moins humides que les lingettes qui sont au fond. Et maintenant il faut bien éclaircir si maintenant cette lingette maintenant, elle est faite en tissu. C'est pour ça qu'il nous dit le rab, regarde bien,
Tevarer ata. Bidiouk, c'est pour cela il a dit pour l'instant le rav il a dit bad. Si c'est fait en tissu, il ne faut pas être négligent. À Kavana, si c'est en tissu, il y en a qui achètent un paquet pour 20 shekels. Si c'est en tissu, il ne faut pas la hakel badava. Si c'est en tissu, eh ben, c'est issu de la Torah. La Torah, c'est bien la peine. ויחן הדין במי שקידח עצמו מניעת טואלט לאחר שירטיבו במים. C'est pareil, nous dit le rab. Un homme que lui qui veut s'essuyer avec du papier toilette, que lui qui l'a... Regarde, Ruben, une seconde. Que lui, il a mouillé avec de l'eau. Sheim oseken benachat, s'il fait ça gentiment, calmement. Alors, yeshlo al machi ismor lakel. Il a sur qui s'appuyer d'être pas rigoureux. Ça veut dire que ce n'est pas les khatris là de mouiller le papier et de s'essuyer même le papier avec de l'eau. Veomnam, c'est pour cela qu'il dira le Rav, Veomnam yeshavarer ha-metziyut, she'im ha-mimchatar halakha asuya mibad, yesh le'armir shelo lekaner ba mechamat safek de'oraita. Il nous dit, par contre, il faut bien éclaircir. Si maintenant c'est fait, cette longette en tissu, c'est issu de la Torah, Hazak ou Baruch.